Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est le vendredi 26 février. Il est 16h15 et j'ai rendez-vous avec toute l'équipe de Danse avec les Stars à la Altony Garnier environ à 17h. Je pense que je serai un peu en retard. Donc c'est assez excitant parce qu'en fait là on a 4 shows à Lyon, un aujourd'hui donc vendredi, 2 demain samedi et un dimanche. Et en fait pour moi c'est un peu particulier parce que du coup j'ai ma famille qui va venir me voir et mes amis qui viennent me voir parce que j'habite à Lyon, donc du coup ils font jamais le déplacement, mais là vu que c'est chez eux aussi c'est plutôt pratique. Donc je suis un petit peu plus anxieuse que d'habitude pour les shows parce que forcément quand on a quelqu'un à qui on tient qui vient nous voir en spectacle, on a toujours envie de faire encore mieux que d'habitude. Donc voilà, c'est un peu le stress je dois dire pour moi. Surtout que j'ai passé un peu la matinée à cogiter en fait, à essayer de me demander si ça allait bien se passer, etc. Donc j'espère que ce sera le cas et voilà pour ça. Donc je pense que ce vlog en fait ce sera un vlog en trois jours en un seul vlog à mon avis. Parce que voilà c'est plus simple et puis en plus je pense que vous commencez un petit peu à avoir l'habitude des vlogs de Danse avec les Stars. C'est toujours sensiblement la même chose. Donc du coup voilà pour ça. C'est mon avant-dernière ville en fait, puisque après la semaine d'après ce sera Toulouse et ce sera la dernière ville voilà, qu'on fera pour Danse avec les Stars. Donc je commence déjà à être triste alors que c'est même pas fini, mais bon c'est pas grave. Donc je me suis déjà plutôt préparée, enfin franchement j'aurai juste des retouches à faire une fois que je serai sur place, mais j'ai déjà fait mes yeux, j'ai déjà fait mon teint, j'aurai juste à faire mes cheveux et c'est tout. Donc voilà, avant de partir je vais sortir Jelly parce que je vais pas pouvoir la prendre avec moi vu que en fait je pourrais la prendre avec moi, mais il y a déjà deux chiens là-bas, il y a Gims le chien de Denitsa et Foxtrot le chien de Maxime qui sont déjà tout le temps là et moi j'ai pas très envie d'imposer mon chien à tout le monde surtout qu'elle est un peu pas facile, donc j'évite. Donc voilà, je vais sortir Jelly, prendre mes affaires ensuite et prendre le Uber pour aller à la Altony Garnier. Et ça me fait trop bizarre parce que la Altony Garnier c'est la salle dans laquelle j'allais voir tous les concerts possible et inimaginable, enfin dès qu'il y avait un concert, j'y allais à Lyon, donc du coup ça me fait bizarre de me dire que là je vais être dans la salle dans laquelle j'allais pour aller voir des stars, c'était assez marrant. Donc du coup ça me fait un peu bizarre aussi. Donc écoutez, voilà c'est parti, on va y aller et on se retrouve tout de suite. Donc voilà la loge de la Altony Garnier, hop, et moi, j'attends un petit peu parce que là il est encore tôt en fait. Il est 18h39, donc je vais attendre Emma pour aller manger. Et ce que vous entendez là-bas, c'est Ryan et Guillaume et tous les garçons en train de hurler sur le baby-foot. Voilà. Du coup, je suis coiffée, je suis prête. Donc voilà, j'ai plus qu'à attendre. Il y a Marine qui va pas tarder à arriver, donc si elle arrive assez tôt, je vais la faire venir dans la loge pour qu'elle vienne un petit peu en amont. Et puis voilà, ça va être chouette. J'ai trop hâte de danser à Lyon, là, de jauger un peu le public et tout, ça va être trop cool. Voilà, croisez les doigts pour que tout se passe bien comme d'habitude. C'est vrai que je suis une grande stressée, mais on y croit et je vous retrouve juste tout de suite. La première date c'est terminé, j'ai eu plein de cadeaux de votre part, je sais pas du tout encore ce que c'est. Je pense que je vais les ouvrir chez moi ce soir, c'était trop cool, l'ambiance était ouf. Donc là je vais me changer, je vais retrouver Marine et je vous retrouve tout de suite. Regardez les bonnes sont trop mignonnes. J'ai retrouvé Marine. Donc du coup là on va sortir, toute la troupe prend le bus pour rentrer à l'hôtel et moi je vais boire un verre avec Marine. Je me casse. Youpi. Donc voilà, c'était cool. Donc là en fait on va passer par la sortie devant parce qu'en fait on peut pas passer par là, il y a trop de monde. Et donc voilà, j'ai reçu plein de cadeaux, c'était bien Marine? Ouais, c'était vraiment génial, c'était trop un beau show. C'est pas... C'est fermé là-bas. On sortira jamais. Et du coup, comment on fait pour sortir? C'était fermé. En fait, il faut rentrer la voiture et après tu la sors plus quoi. Vas-y. Ouais. Il était acteur à la base, juste acteur. Coucou. Des coucous, elles sont gentilles. Trop mignonne. Oh mon dieu. Non, ne tapez pas la voiture. Ne tapez pas la voiture. Au revoir.
Hello tout le monde, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la suite du premier vlog d'hier. Pour vous ça n'a rien changé, mais moi il y a une nuit qui s'est passée. Donc aujourd'hui c'est samedi et c'est la journée du coup numéro 2 de Danse avec les Stars à Lyon. Donc là il est midi 30, quelque chose comme ça. J'ai rendez-vous à 13h parce qu'en fait aujourd'hui on fait deux shows, un à 15h30 et un à 20h30. Donc voilà. C'est un peu stressant pour moi aujourd'hui du coup parce que ce soir mes parents viennent avec ma soeur et mes petits frères. Donc moi j'ai toujours, enfin je suis toujours plus stressée. D'ailleurs hier, comme c'était la première fois que je faisais un spectacle à Lyon, j'étais tellement stressée que sur la valse en fait, à la fin, j'ai carrément troué mon collant, mais genre grosse blague, je fais le porté et mon talon se coince dans mon collant et en fait quand je descends du porté ça le déchire mais littéralement. Et sur Alice au Pays des Merveilles à la fin on est tombé pareil que sur le pram avec Henrik, sauf que lui il s'est mieux rattrapé que la première fois. Donc voilà, c'était un peu chaud, je pense que c'est parce que bah voilà, moi j'étais un peu plus stressée du coup d'être à domicile que d'habitude. Donc j'espère que ça me fera pas ça ce soir parce que y a mes parents et j'ai vraiment pas envie que ça arrive quand mes parents sont là, donc voilà pour ça. Donc voilà, je vais prendre mon Uber et je vais aller à la Altony Garnier rejoindre tout le monde. Aujourd'hui il y a Fabienne avec nous, je suis trop contente. Trop contente, et il y a Loïc aussi, ça fait super longtemps que je l'ai pas vu, la dernière fois que je l'ai vu c'était à Paris. Donc je suis ravie de pouvoir le revoir aussi un petit peu, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans ma petite journée. Il y a ma petite Jelly, viens dire bonjour poupée. Regarde ma chouchou, salut. Oui. Je suis bien arrivée à la Altony Garnier. Et donc là en fait je passe d'un bâtiment à un autre en passant par un immense couloir. Parce qu'en fait sinon on passe par au-dessus, donc moi je passe toujours par le petit tunnel parce que je trouve ça trop marrant. J'ai dit bonjour à Loïc qui est arrivé, qui va faire le spectacle ce soir, donc c'est trop cool. Donc là je vais me faire coiffer, faire poser mes extensions. En fait j'ai pas enlevé mes tresses d'hier, c'est pour ça que vous avez l'impression que j'ai les cheveux un peu plus courts. Parce que j'ai pas enlevé mes tresses dans lesquelles on met les extensions. Donc voilà, je vais me faire coiffer. Et puis je vous retrouve tout de suite. Denitsa, elle a tellement confiance. Oh non mais c'est trop, c'est pas trop Denitsa. Oh. Allez, c'est reparti. C'est pas mal, la fin c'était parfait. Coucou tout le monde, on a déjà fait le premier show de l'après-midi. Donc là on se retrouve pour le show du soir. Il est 19h30 et j'ai fini de manger. Et en fait depuis tout à l'heure il y a plein de gens devant la grille qui hurlent. Je pense pas que vous puissiez entendre, mais qui hurlent littéralement mon prénom. Ça m'est jamais arrivé. Donc j'ai décidé d'aller leur faire plaisir. C'est parti, Fabienne elle est là genre vas-y Marie, vas-y Marie. Allez on y va. Donc du coup, je crois qu'en fait elles vont même pas vu arriver. Ah, c'est trop mignonne. Oh, oh mon dieu. Eh, vous criez super fort, hein. Eh, vous criez fort, hein. Je vous ai entendu, j'étais dans la loge. Oh, vous criez super fort, hein. C'est vrai. Mais vous avez fait le show de cet après-midi ou pas? Non. Non, on a attendu. Ah bah oui. Et vous allez au show de ce soir ou pas? Non. Ah oui, d'accord. Bon bah alors on va faire des photos. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour le dernier jour de ce vlog. Donc nous sommes... Ça va chouchou? Jelly qui se balade toute seule dans la loge. Ça va ma chouchou? Alors elle a fait sensation, tout le monde avait envie de la toucher, tout le monde a envie de lui faire des câlins et tout. Donc voilà, je l'ai prise parce que comme ça elle sera pas toute seule à la maison et je pourrais revenir entre chaque danse etc. Donc voilà, elle est pas toute seule. Et en fait elle a l'air de bien s'amuser ici. Surtout sur le canapé hein. Regarde, viens là, Jelly, viens.
Le car va s'en aller, puis je vais aller faire un petit coucou à tout le monde quand même, avec Jelly. Parce que quand même... Donc je viens de rentrer à la maison et directement j'ai enlevé mes extensions et j'en ai profité pour les laver parce que là ça devenait vraiment pas possible. Enfin je les lave quand même assez, enfin je les lave en fait une fois par semaine environ, mais là j'avoue qu'avec les derniers chauds je les avais pas lavées depuis presque 10 jours et elles commençaient à s'abîmer, enfin pas à s'abîmer mais elles devenaient de plus en plus difficiles à travailler parce qu'en fait c'est comme, enfin c'est des vrais cheveux donc du coup... c'était plus possible de les lisser, etc, de faire quoi que ce soit, donc bon, c'est pour ça que je les ai lavés. Ça m'a pris un peu de temps, mais au moins ça sèche tranquillement sur une serviette. Ma petite chouchou, qui est sur les draps sales. Ça va, je te dérange pas trop? J'ai reçu pas mal de cadeaux aujourd'hui au show, c'était trop trop gentil, donc... hier, la dernière fois, je vous avais dit que je les ouvrirais les cadeaux avec vous, et en fait, finalement, je les ai ouverts... toute seule, j'ai oublié de sortir ma caméra, donc là du coup j'essaye de me rattraper un peu parce que c'est vrai que je vous ai pas montré. Hop. Qu'est-ce que c'est? Oh trop mignon, c'est des petits bonbons qui viennent de chez Emma, enfin là du coup c'est des chocolats. Là, des petits faux ongles. C'est mignon. Ça qu'est-ce que c'est? C'est de la crème. C'est bien parce qu'elles sont petites, comme ça je peux les emporter facilement. Une mini... Oh, mais je l'ai en grande, celle-ci. Trop chou, une mini Yankee Candle. Avec un petit mot. Donc, c'est un cadeau de la part de Ilana. Trop gentil. Merci beaucoup, Ilana. Si tu passes par là, je fais plein de bisous. C'est trop chou. Alors, pour l'occasion, du coup, de ma dernière représentation à Lyon, comme je suis toute seule avec Jelou, je me suis dit que j'allais commander des sushis parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas mangé, sauf que là en fait je m'aperçois qu'il y en a beaucoup trop, clairement je pourrais jamais manger tout ça. Il y en a 6 et 6, 12, et là il y en a donc 18, fabuleux. Mon dieu, il y en a beaucoup trop, je pourrais pas tout manger, mais c'est pas grave, Jelly va m'aider. Donc voilà, soirée télé ce soir, parce que là il est quelle heure? Allô? Allô, allô? Ah, eh bien je ne sais pas, puisque je n'ai plus de batterie, fabuleux, mais je crois qu'il est 19h, quelque chose comme ça. Donc voilà.